Bah, Prête? cinq fois Attends! par jour. Wow! Elle est pressée de répondre en plus. Mamie! Oui. Bonjour! J'espère que vous êtes en forme! C'est mamie. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube! Mamie! Ça me fait plaisir de te voir! Oui, moi aussi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mamie. C'est ma première vidéo avec toi. Ah bon? Tu sais pas du tout ce que c'est une chaîne YouTube. Ouais. Mais on va faire notre première vidéo ensemble maintenant. Ah bon? Tu disais quoi? Elle a mis ses dents, t'as mis ton dentier? Ouais. Sympa. Ça me fait plaisir. Je suis content que t'aies mis ton dentier pour cette vidéo, mamie. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tu préfères. Tu connais le concept tu préfères? Écoute bien, Julien, maman. Écoute-moi, le principe est simple. Maman qui est derrière la caméra, fais coucou. Coucou. Voilà. Va nous donner des choses qu'on préfère au niveau des relations amoureuses. C'est-à-dire qu'elle va dire par exemple, est-ce que tu préfères les blonds ou est-ce que tu préfères les bruns? Et toi, tu vas juste devoir dire ce que tu préfères. Maman va nous proposer. Maman va nous proposer les blonds ou les bruns. Et toi, tu vas devoir choisir en pointant du doigt si tu préfères les blonds ou si tu préfères les bruns. C'est facile. Oui. On y va. On y va. Alors, tu préfères être en couple ou célibataire? À trois, tu pointes avec ton doigt. Elle a pas juré sur le Bouddha. Ah oui, mamie, avant que tu donnes ta réponse, j'aimerais que tu juges sur la tête de Bouddha, tu promettes, en mettant ta main comme ça. Et tu promets que tu diras que la vérité, rien que la vérité aujourd'hui. Ouais. Tu peux mettre ta main et promettre avec moi? Non, c'est la main droite, sinon. Ah ouais, elle jure. Tu promets avec la main gauche, toi. Promets avec ta main droite. Dis, je le jure. Je le jure. Ah bien, on est là que pour dire la vérité ici. Mamie, prépare ton doigt. À 3, tu montres soit en couple, soit célibataire. Tu préfères être en couple ou être célibataire? T'es prête? Prépare ton doigt. Ton doigt. Your finger. À 3. 1, 2, 3. Ah, tu préfères être en couple? Oui, si c'est un bon mari. Ouais, c'est vrai. T'es resté combien de temps en couple dans ta vie? Oh là, longtemps. Combien de temps à peu près, tu te souviens? Trentaine d'années. Moi j'ai fait 3 ans maximum en couple. Tu penses que je vais réussir à me mettre en couple et rester longtemps? Je suis célibataire aujourd'hui moi. Tu penses que je vais réussir à faire 30 ans comme toi? Ah bah je sais pas. Ça dépend sur qui tu tombes. Ah ouais. Je me souhaite de tomber bientôt sur la bonne personne. Peut-être que la bonne personne est en train de regarder cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Deuxième question. Alors, est-ce que tu préfères que ton compagnon soit brun ou blond? Moi je préfère les brunes, hein. Toi t'aimes bien les blonds? Ouais. Comme moi un peu. Pourquoi? Bah parce que. Genre surfeur un petit peu comme ça là. Non, c'est pas vraiment comme ça. Moi je préfère les brunes. Ah bon? Ouais. Ah Je préfère les brunes un peu mat de peau, tu vois. Ah bon? Un petit peu méditerranéenne quoi. Les Ah italiennes, bon? les Ah espagnoles, un oui. peu typées, tu vois. Ah Même bah si elles sont françaises, d'accord. mais j'aime bien. Ouais. Papy il était pas blond en plus. Non. Donc t'aimes bien les blonds mais t'étais pas qu'un blond. Bon d'accord, ça marche hein. Ça peut exister hein. Troisième question. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu t'attaches plutôt à son physique ou à son mental? Mamie, t'es prête? À 3. 1, 2, 2, 3. 3. Ah! Crois que je dis physique, mamie. Moi, je crois que j'ai dit physique. Hein. Pourquoi tu préfères le mental? C'est-à-dire que tu préfères sortir avec quelqu'un de pas beau. Et qui est intelligent, oui. Ouais, j'avoue que ça se tient quand même. Bravo, mamie. Mais là, moi, la première chose que je vois quand même chez une personne, c'est son allure physique, quoi, tu vois. Ah, oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, la première chose qu'on voit, c'est le physique. Donc si le physique ça correspond pas, malheureusement j'ai pas le temps d'aller voir le mental. Ah bon, d'accord. Mais c'est vrai que t'as raison et c'est très important. Je vais essayer de faire plus attention au mental la prochaine fois et moins juger le physique. C'est sûr que le physique ça compte. Ah voilà. Ça y est, on oublie pas qu'on a juré sur le Bouddha, on commence à dire la vérité. Le physique ça compte, maintenant on va dire que c'est pas l'essentiel. On fait comme ça, on s'entend sur là-dessus. Ouais. Ne nous serre pas la main, c'est pas grave. Question suivante. Alors, est-ce que tu préfères une relation toxique ou une relation saine? Toxique, mamie, c'est une relation qui fait que des fois t'es malheureuse et qui des fois t'emmène faire des trucs un peu mauvais dans ta vie, un peu dangereux, mais du coup qui est assez excitant. Saine, bon, une relation saine, tu sais ce que c'est une relation saine. Qu'est-ce que tu préfères? 3, 2, 1. Ah! Tu préfères du toxique? Moi je crois que je préfère du toxique. Hein. Je crois que je préfère du toxique parce que quand c'est une relation toxique, au moins tu es à fond dedans quoi, tu vois. Ça t'emmène faire des trucs de fou, mais au moins t'es complètement à fond dedans. Après, il y a des limites, tu vois, faut pas aller trop loin. Mais dans une relation saine, j'ai l'impression que je m'ennuie un petit peu. Avec papy, c'était une relation saine ou toxique? Plutôt saine. Et c'est fini? Vous êtes séparés? Bah oui. Tu vois, c'était trop sain. Et ouais, je suis sûr que si papy avait été plus toxique, bam, tu serais resté avec lui. Prochaine question. Est-ce que tu préfères un compagnon qui aime rester à la maison ou un compagnon qui aime sortir beaucoup? 3, 2, 1.
On n'a jamais le même avis, mamie, c'est incroyable. Tu préfères à la maison, mais tu restes tout le temps à la maison en même temps, bah oui, c'est vrai. Ouais, mais je suis bien. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti de ta maison, là? Bon, je sais pas. 2 mois. 2 mois que t'es ici? Ouais. Et ça te dérange pas de pas sortir? Non. Et qui s'occupe du jardin? Bah, quelqu'un qui vient. Ah, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle, son jardinier. Bah écoute, moi je préfère sortir, mamie. Ah bon? Moi j'ai un tout petit appart en plus à Paris, donc chez moi on fait vite le tour. Donc moi j'aime bien sortir, j'aime bien voyager et tout. Là, si tu pouvais partir en vacances, en voyage, t'irais où? Non. Tu restes à la maison? Ouais. Bon bah écoutez, si vous êtes comme mamie, dans les commentaires, dites-le moi, parce que apparemment c'est, ça cartonne de rester à la maison. Prochaine question. Est-ce que tu préfères une relation d'un soir ou une relation qui dure sur le long terme? 3, 2, 1. Ah, on est d'accord, ça fait plaisir. Ah ouais, long terme. Mais c'est difficile à trouver, hein, des relations long terme. T'as déjà eu des relations d'un soir? Non. Jamais. Jamais une personne que t'as rencontrée en, au jazz ou je sais pas non. où t'allais danser? Non. Sauf que c'était une relation d'un soir papy et que du coup elle s'est mariée avec. Oh, on apprend des choses. Papy, c'était un, tu l'as rencontré en boîte de nuit? Tu l'as rencontré où, papy? Bah, il était agent UDF comme moi. Il est venu installer ton compteur et bim bam boum, t'as fait 2 enfants. Non. C'était une soirée EDF. Une soirée EDF. Donc, un coup d'un soir. Petite cachotière, tu nous l'as pas dit. Avec un petit bébé. C'est le bébé est né rapidement. Du premier soir. Ouais, c'est ma soeur. Ah, mamie, elle fait des enfants au premier regard. Un bébé au premier regard. Oh, c'est beau ça. Eh bah dis donc, ça peut m'arriver aussi un jour. Ça se trouve, je vais rencontrer une fille en soirée, je vais faire un enfant. Et mamie, tu seras réellement bien. Ah, peut-être. Si la vie me prête vie. Ouais, et si la chance me prête l'amour. Parce que ah, bah, oui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Dernière question, mamie. Attention, celle-là, elle est un petit peu coquine. C'est la question O, c'est la question IN, c'est la question... Voilà, super, c'est parti. Alors, avec ton compagnon, tu préfères faire 5 fois l'amour par jour ou faire 5 fois l'amour par an? Prête, cinq attends fois par jour. Wow. Elle est pressée de répondre en plus. Wow. Mamie. Oui. Tu fais l'amour 5 fois par jour? Ouais, pourquoi pas. Eh ben écoute, on est dans la même équipe, bienvenue, tu peux me taper dans la main. Voilà, mais on se demandait d'où ça venait. Je sais d'où ça vient maintenant, ce truc en moi. Bien aimé faire l'amour 5 fois par jour. Bah ouais, t'as complètement raison, ami. Faut profiter de la vie. Bah ma foi. Ça fait plaisir. Mamie, je vais te demander de choisir une dernière chose. Ouais. Est-ce que tu préfères réel ou est-ce que tu préfères TikTok? Comprends bien. C'est normal. Je sais pas encore ce que c'est un TikTok. Je vais te montrer ça dans 5 minutes. On va réaliser ensemble un TikTok et un réel qu'on va balancer sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici. Ça doit déjà être sorti au moment où vous regardez la vidéo. Donc cliquez dessus, allez voir le réel et mettez-nous dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez kiffé voir ma mamie, si vous avez kiffé qu'on se rejoigne ensemble pour les fêtes, mettez-moi plein de pouces bleus. Mamie, on fait comme ça. Oh, on va prendre une petite photo, attends. Elle a tiré la langue. Mettez-nous plein de pouces bleus, plein de commentaires et plein de cœurs sur cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de te voir, ma mamie. T'as passé de bonnes fêtes de Noël avec moi? Très bonne. C'était sympa. On vous fait plein de bisous, on vous embrasse, mamie, on fait des bisous. A bientôt. Ciao. A bientôt.